bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e édition de l'Atrium culturel qui se tient cette année au Carré Montparnasse. Le groupe Chèque Déjeuner était une entreprise qui a 50 ans. Nous avons modifié notre nom. Nous nous appelons aujourd'hui le groupe UP. Je dirige la filiale culturelle du groupe UP. Rêvessence, où on commercialise la carte ciné-sortie, la carte culture, le chèque lire, le chèque disque. Notre positionnement, c'est d'offrir, de permettre à chaque bénéficiaire de consommer la culture, notamment, ou les objets loisirs, de manière adaptée à ses habitudes. Donc aujourd'hui, nos bénéficiaires peuvent avoir accès à de la culture plurielle, que ce soit par le biais du chèque, de la carte et demain du web aussi. J'aime vraiment être sur scène, j'ai du plaisir à jouer. Je trouve que c'est magique dans le spectacle vivant que justement chaque soir il y a des choses qui changent. Donc j'ai pas de lassitude et j'ai plus de plaisir maintenant qu'avant en fait. Ce que je trouve exceptionnel dans cette histoire, c'est qu'elle regroupe tous les ressorts de la comédie, de la tragédie. C'est une épopée vivante, puissante, avec une écriture exceptionnelle. À mon sens, un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française du théâtre français. Le théâtre a le devoir aujourd'hui de provoquer l'arrivée d'un nouveau public. Il faut accompagner ce mouvement. C'est l'histoire d'une femme qui va s'occuper d'enfants malades dans son hôpital et qui est elle-même extrêmement dynamique, pleine d'imagination, qui leur raconte des légendes, des belles histoires et qui leur fait beaucoup de bien. Je me réjouis de savoir que vous allez sous peu aborder une nouvelle année qui sans aucun doute comptera parmi les 80 meilleures années de votre existence. Ils ont très bien relevé le défi parce que moi j'avais eu un énorme coup de cœur de lectrice sur ce roman que j'avais lu d'une traite. Un peu comme si c'était mes propres textos et j'avais envie de savoir la suite de cet échange qui est épistolaire mais qui est surtout une histoire d'amour incroyable. L'Atrium culturel, c'est un moment de rencontre et d'échange intéressant entre des professionnels qui ont envie de compléter leur offre avec des endroits qu'ils ne connaîtraient pas pour proposer à leurs membres des choses originales. L'Atrium culturel, c'est un salon bienveillant envers les structures culturelles et envers les entreprises qui nous permet de nous rencontrer et de prendre le temps d'apprendre à se connaître pour peut-être créer des partenariats intéressants à long terme. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler de cette pièce ici à l'Atrium culturel, savoir qu'on s'adresse avant tout à des comités d'entreprise, c'est que c'est une pièce, et c'est rare de nos jours, c'est une pièce sur l'entreprise. Il y a un accueil superbe, des gens compétents qui nous donnent un maximum d'informations. L'Atrium culturel est vraiment sympa et je conseille vraiment à tous les CE de venir pour l'année prochaine.